Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, frères et sœurs. Un nouveau vlog, pas pour manger, mais juste pour marcher, voir le marché égyptien et la rue, une des ruelles les plus intéressantes pour faire du shopping. Enfin, shopping nourriture, hein, principalement. Plusieurs fois je l'ai montré, je crois. Comme je dis, en fait, là, c'est rien de prévu cet après-midi. Je marche juste à côté, Inch'Allah. Et comme je cherche des piles, moi, en fait, à côté. Donc, je sais qu'il y a des magasins d'électronique là-bas. Donc, j'en profite. Allez, let's go. Bon, voilà, ça, c'est... Vous avez bien compris. Là, regardez bien les prix, sincèrement. Regardez bien les prix, bien les prix. Je ne me rappelle pas c'était lequel il y avait les moins chers. Moi, je crois que c'est celui-là. Bogaz ici, Kouroumi. Je crois, je ne suis pas sûr. Hein. Je crois que je prenais chez lui, je crois. C'est le deuxième. Alors, c'est pas le premier. C'est soit c'est le deuxième. Je crois, je dis bien, je crois. Hein. Je vais vous vérifier. Je vais juste vérifier combien c'est le pistache. Attendez, hein. Pistache. Je vais voir le pistache. Voilà. 470 lira, mais je cherche le pistache. Oui. Attendez. Pas celui-là. Comparer par rapport à Rome. Non, il n'y a pas le. Bon, je vais voir ailleurs. Là, je le vois pas, non. Ça, c'est le baklava. Ouais, de toute façon, je crois que c'est lui, moi, c'est le deuxième, parce que là, je me suis pas éloigné pour acheter les trucs, je me rappelle, après avoir... Enfin, je me rappelle, j'ai très très bien comparé. Un à un. Et le moins cher, c'était lui, le deuxième. Et si vous voulez que je fasse un fast-checking la prochaine fois, Inch'Allah, je le ferai, pas de problème. Hein. Alors, c'est 4,70 la balle pistache. Je vais voir rapidement les autres. Oh, ça c'est le coup, Mkratena. Alors, ici il est à 500. Voilà, vous voyez. Il est à 500. Voilà. Non, même 570. Il est plus que l'autre. Vous voyez. J'ai dit que je comparais. Donc il est à 570. Voilà, Zaytoun. Zaytoun. Alors là, c'est pareil. 550. Oh, c'est 470. Voilà, donc. Il faut comparer. Je crois que c'est le cas, donc c'est le deuxième. Alors, il y a beaucoup de fromage là, en fait. Je vous montre, il y a beaucoup de fromage. Il y a beaucoup de fromage. Ah, warak al-aynab, tiens. Warak al-aynab, il y a warak al-aynab. Les épices. Bon, mkhlawa, c'est pas là. Le fromage. Et le problème, ces trucs-là, on ne peut pas les acheter parce que ça, vous avez compris, tout ce qui est avec de l'eau, on ne peut pas l'acheter. À part même partir directement à la maison, ça c'est autre chose. Par contre, il y a les tisanes, hein, le truc, ça c'est intéressant. Alors, là, je vais couper. Ouais, il y a du monde, hein, donc. Et là, ça va. Hein. Là, ça va, il n'y a pas beaucoup, donc. Allez, je coupe, je vais là-bas, allez. Alors, moi, je suis venu. Cette ruelle est très importante. Et surtout, je ne sais pas si j'ai le poids, c'est pour les grains de café, chez lui là en fait. Vous voyez, chez lui. J'ai pas le best bagage, donc je suis un peu bloqué. Pour ça, je suis venu ici pour acheter des piles et tester le bagage. Mais. Allez, le bonbon. C'est intéressant ici les bonbons. Wow, nickel, vraiment, c'est intéressant. Ça c'est bien ça, attends, je vous montre, ça c'est bon ça. Ça, ou le Karadia, ça c'est bon ça. Ça c'est très bon. Je vais prendre un petit mix après, Inch'Allah. Il y a un autre magasin de bonbons qui est plus loin, qui est très connu. Allez, on continue. Bon, comme je dis, je suis venu pour le magasin d'électronique. Il y a un très bon magasin de thé également ici, celui-là, je ne comprends pas normalement, c'est celui-là, un des meilleurs magasins de thé. C'est un des meilleurs.
Betati. Et pour les prix, comme je dis toujours, là, négocier. Regardez bien les prix, chercher, négocier. Regarde le pistache ici, le pistache. Regardez combien. Et là, 600. Oui, je dis l'offre est moins chère. Donc pour le moment je me trompe pas, c'est le deuxième qui est le moins cher. Alors il y a un magasin pour les tout ce qui concerne la pâtisserie et là, bah, là j'ai déjà pris, c'est le café. Voilà, c'est chez Kuruha Vasi Nuri Topla. J'ai déjà testé. Ouais, moi je cherche ça, je dis comme en Italie. Coffee beans. Voilà, après je sais pas combien le kilo, c'est kilo 460 lira. Ah c'est pas cher du tout un kilo. Voilà, 460 lira c'est pas cher. Hein. Je crois... Alors, il y a combien 30 15 euros comme ça le kilo. Ah c'est bon, c'est pas cher, c'est 15 euros le kilo. Hein. Ah, 540 là. 540, je regarde les prix. Le pistache, c'est la référence. 550. Ouais, personne n'a battu encore l'autre. Et là, il y a un magasin Bessan, l'un des magasins les plus connus. Là. Pour les, tout ce qui est ustensiles de cuisine, enfin, les, tout ce qui est la pâtisserie, c'est ici, moi, que je fais les courses. Je crois que je l'ai déjà parlé, c'est ici que j'ai déjà fait les courses. C'est ici. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer de nouveau. Mais je crois que je l'ai déjà montré, mais c'est ici que j'ai fait mes courses. Ok, vous trouverez tout ce que vous voulez normalement ici. Il y a d'autres, mais ben, c'est le plus proche. À... Vous êtes en plein cœur d'Istanbul, c'est le plus proche. Ok? Donc voilà. Allez, donc voilà, je continue. Tiens, j'ai un magasin d'électronique juste là. Je vais voir s'il y a les piles ou pas. Allez, tout de suite. Je suis en train de rechercher 6 piles. Et on va les trouver, Inch'Allah. Voilà, ça c'est... Au retour, Inch'Allah, bon, le soir, l'après-midi, Inch'Allah, fin de journée, je prendrai du café. Si le poids il dépasse, je laisserai à l'hôtel parce que je reviendrai, il n'y a pas de problème pour moi, il n'y a aucun souci. Pourquoi? Parce que je vais faire tous mes courses maintenant avant la dernière prochaine fois, Inch'Allah. Pour ça, la prochaine fois, Inch'Allah, on fera que des restaurants. Voilà, les cafés ici. C'est pas, ils n'ont pas été recommandés. Il y a un autre magasin de bonbons là, il est juste là. Ouais, il y a plein de choses en fait, il y a plein de choses. Il y a un autre magasin de bonbons ici. Ah, comme j'ai le temps, je vais vous montrer un magasin de bonbons pardon, qui est plus loin. Pardon. Et ça bon. Ça sent bon. Eh, problème, mon problème c'est le poids, c'est juste le valise. 23 kilos, je peux pas, j'ai jamais vêtements. Il n'y a pas de magasin électronique encore. Bon, ce sera plus loin, Inch'Allah. Alhamdoulilah, j'ai trouvé mes piles. Sincèrement, quand on cherche, on trouve. Ah, je suis venu pour ça.
Et là, je vous montre le. Je vais tout droit pour vous montrer le magasin de bonbons. Ah, j'ai plus de batterie également. Rien, Inch'Allah. On s'en terminera le vlog. Là, je suis arrivé à la fin. Regardez. Ah, c'est la fin. Voilà. Et là, je vais vous montrer un magasin de bonbons, Inch'Allah, qui est l'un des plus connus à Istanbul également. Après, je reviendrai sur mes pas. Et comme j'ai dit en fin de journée, je prendrai du café. Moi, c'est le café le plus important. Désolé, pas autre chose. Achat nécessaire pour la maison. Voilà, il n'y a pas de café, huile d'olive, sabron. Allez, je vous montre ça tout de suite. En fait, là, je vais monter un petit peu. Et là, je vais aller juste sur ma gauche. Ah, sur ma droite, pardon. Donc, voilà, là, je suis monté. Je suis sorti par l'autre côté. Et là, je vais aller directement par là. La première à gauche. Pas à droite, pardon, encore. Là, je vais aller tout droit. Ah, ça va, il y a du... Tout droit. Jusqu'à tomber dans le magasin de bonbons. J'espère qu'il a de la lumière, cette fois. La dernière fois, il était dans le noir. Vraiment, c'était dans le noir complètement à 100%. Ah, là, il a des pièces bagages là, c'est intéressant, il y a des pièces bagages ici, je vais voir après. Il y a des pièces bagages, mais c'est pas ce que je cherche. Ah, voilà, celui-là que je cherche. Deux secondes, je regarde comment c'est là. Salam alaikum. How much this one? Lira. Lira. Tamam. Lira. Tamam. Tashakkur. Tamam. Là, il est pas cher, ça va, il est pas cher. Tashakkur kira. Baklaoufi. 150 lira, c'est pas cher, c'est 5 euros, ça va. Bon voilà, en marchant j'ai trouvé ce que je voulais. Ce que je voulais, voilà, c'est le pèse-bagage. Comme ça je suis tranquille. Enfin j'ai le mien mais un problème de pile, donc c'est le même. Sachant que ça se vend sur Amazon plus de 12 euros ça. Et là, et je vous jure, à ce moment-là, je sais pas combien il est le taux de change. Je n'ai aucune idée, j'ai pas pu un truc, mais je crois que c'est à 30 minimum. Comme c'est important le pèse-bagage, donc je suis obligé de... Et là, je vais bientôt arriver au... Voilà. Et ce magasin-là. Alors, je vous montre tout de suite. Voilà, celui-là que je voulais montrer. Celui-là. Le Altan Shikirmi. Ok. Là, je vais continuer à marcher, mais c'est celui-là que je vais vous montrer. Donc maintenant, j'ai plus de batterie, il n'y a pas de souci. L'objectif, c'est de vous montrer, voilà, celui-là, Inch'Allah. Si vous voulez venir, venez ici. Toujours de bonbons et c'est pas cher en plus. Voilà, c'est pas cher. Très intéressant. Il a même les trucs... ça, c'est très bon, ça. Aux amandes. Donc voilà. Ouais, même TripAdvisor, c'est là. Allez. On continue à marcher, Inch'Allah. Jusqu'à ce que la batterie se termine. Et moi, je vous dis à... Si ça se coupe, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Pour de la carasse à frère, Inch'Allah. Pour un nouveau vlog, juste pour après, Inch'Allah. Temps de recharger la batterie. Bâche. Et ça, c'est les restos populaires. Là où je suis vraiment, c'est les cafés populaires.